On va essayer d'aller avec toi. Fais le choix, cours vers la chambre. Maintenant. Je te rejoindrai plus tard. Ah putain, c'est la merde. Athana est à nos portes. Soldats avec moi. Tous les autres, réfugiez-vous dans le château. Folle de taverne. Ivo est à nos portes. Mais tant que nous sommes des menteurs, des escrocs. Mais tant que nous jouons avec la magie. Il ne peut pas être plus loin de la vérité. Soldats de taverne. Ivo, le roi d'Athana, a brûlé ma fille. Et maintenant, il vient en taverne, chez nous. Je vais faire subir le même sort. Je vais démolir vos portes, prendre vos femmes, prendre vos enfants, prendre tout ce qui vous appartient. Nous ne laisserons pas faire. Pour Daverne, tenez bon. Pour Daverne, pour votre famille, pour l'Orsulia, gardez-les dehors. Putain, c'est la merde. Ils sont à l'intérieur, tenez. Ils sont trop nombreux. Putain, j'avoue que le roi, ça va être compliqué. Hein. Protégez le roi. Merde, ta sécurité au château. Moi je rejoins ma famille. Après j'ai ma famille, tenez la position. Hop 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 hop. On est parti, tenez la position. Nos alliés, mon sang de bois, vont pas tenir beaucoup plus longtemps. C'est vrai que normalement nos alliés doivent être là. Hein. C'est la merde. Ah, c'est nos alliés, ça. Oula. La boucherie. Le roi Fabien est arrivé juste à temps. Enfin, après avoir surmonté un ennemi apparemment impossible, Daverne était victorieuse. L'ordre final. C'est voulu tuer le... Ivo. Et voilà. 5000 hommes n'ont pas réussi à franchir ces remparts, à peine une égratignure. Pourquoi les dieux vous ont-ils écouté? Qu'est-ce que vous avez fait, hein? Pareil, tous, ils vous ont choisi, vous. Je leur ai promis de nettoyer le monde de la magie. Quelle sorte de sorcellerie? La magie n'était pas impliquée. Et que beaucoup de préparation, du travail acharné et un peu de chance. Il y avait un peu de magie, cela aurait été beaucoup plus facile, croyez-moi. Arrêtez de radoter. Arrêtez de tourner autour du pot. Et vous concluez un accord avec le diable? Dites-moi, comment avez-vous fait? Ce que je veux savoir, c'est comment vous avez empoisonné mon père. C'est vrai qu'on sait toujours pas qui c'est, hein. Vous pouvez être toujours coupable. Je suis sûr que c'était vous. Vous et votre tour. Que Dieu vous damne. Je prépare un plan parfait. Avec toutes les preuves possibles. Dans le flacon, la lettre. La différence, c'est que... L'épreuve était destinée à désigner une personne qui vous aurait tué, vous. Pas mon père. Ah merde. C'est donc bien vous. Je parlais de poison, c'est vrai, mais je n'avais jamais prévu de tuer mon propre père. Vous a essayé de me tuer? Ouais. Vous avez tué ma fille. Ça ne sera jamais oublié. Et cela me dépasse toujours. Qu'a-t-elle fait pour le mériter? N'ai-je pas déjà assez bien expliqué? Elle n'est pas m'écouter, elle pensait que j'étais un menteur. Ouais, des concoctions presque sûres qu'elle allait aussi essayer de m'empoisonner. Et son chat, elle me rendait fou. Et des poils de chat dans ma tasse, mon bol, mon lit, et ce qu'il méritait. T'entends? Plus important encore, c'est elle qui vous a aidé pendant la bataille avec la Horde, n'est-ce pas? Elle nous a fait savoir que nous ne viendrons pas. Donc probablement un avantage sur la Radovi. C'est une traîtresse, quel autre choix avais-je? Quel bâtard. Donc il l'a vraiment tué, du coup. Avec Thalys sortie du tableau, vous gouverniez Athana. Ça me semble être un motif valable pour vous, non? Pour la 100e fois, je n'ai pas empêché mon propre père. Je l'aimais. Il était rigide depuis que ma mère était tombée malade. Je faisais que prier dans sa chambre et chercher le remède. C'était comme si je n'existais pas.
Vous avez mentionné que les preuves étaient censées désigner mon assassin. Vous avez essayé de me tuer ce soir-là. Rien de personnel. Enfin, ne faites pas comme si c'était une surprise. Sans dire de ce trône, je serai le roi de Baverne. Votre vie à mes côtés, je n'aurais eu aucun problème pour que les seigneurs et barons locaux m'acceptent sur le trône. Avec les indices que j'ai dispersés, j'aurais mené l'enquête. Et croyez-moi, j'aurais été bien meilleur à présenter les preuves. Au procès royal, les gens auraient été de mon côté. Quant à Atana, j'aurais eu la couronne tôt ou tard. J'aurais prouvé à mon père que je ne pouvais passer à l'action. Et qui sait, peut-être que vos archives offriraient des indices pour la guérison de ma mère. Dans ce cas, nous aurons tous été de nouveau une grande famille heureuse. Insensé, peut-être. N'êtes-vous pas allé très loin pour vos proches? Vous ne nous avez pas aidés lors de la bataille contre la Radovie. Pourquoi? J'ai vraiment que je réponde. J'espérais qu'il ferait le travail pour moi. Pouf! Avec vous parti, le trône sera à moi. Dommage que mon père n'aurait pas été là pour le voir. Rien d'autre à apprendre de vous. Continuez à dire que j'ai empoisonné Talis, mais il n'y a aucun scénario dans lequel cela m'aurait profité. Il semble également que vous ne l'ayez pas empoisonné non plus. Et au sens que cela puisse paraître, il semble que nous ne saurons jamais qui l'a fait. Oh par les dieux, vous avez déjà gagné. Dites-moi, Eric. Ouais, vous échangez les tasses. Je n'ai pas fait. Vous êtes un fief et menteur. Vous me dégoûtez, vous êtes dégoûtant. Puisque dégoûtant. Oula. Il est tout gluant et collant. Ah, c'est le cergo. Un peu dégoûtant. Je l'ai cherché partout. J'ai remis chaque pot, même dans la cuisine. C'est cela. Baveur à l'escargot, par pure chance. Quoi? L'escargot, tu l'as dit, on aurait servi le vin empoisonné. C'est Dani a dit qu'elle avait remis tous les pots de la cuisine. C'est à ce moment-là qu'elle avait dû changer les tasses. La boisson empoisonnée qui m'était destinée a plutôt été servie à Talis. Lol. J'y crois pas. Incroyable. J'ai été vaincu par un escargot. Tout cela pour un escargot? C'est l'œuvre du diable. Vous le regretterez. Ivo, les menaces que nous visait votre souffle. C'est fini. Ivo, roi d'Atana, vous êtes accusé de l'empoisonnement du roi Talis et d'avoir tenté de me tuer, le roi de Daverne. Trahison de ma secte de civil. L'agent escargot trop fort, ouais. L'agent baveur, homme du match. Hein. Donner une guerre injuste contre le royaume de Daverne. Et surtout, le meurtre barbare de la princesse Lorsulia. On n'était rien de tout ça. Et en tant que tel, vous... Qu'on lui coupe la tête. C'est le pourrir au cachot. Il mérite pas notre pitié. Pourquoi vous serez confronté à la justice ultime? Bah, il va décéder, quoi. Là, tu dégages. Vite vos prières. Nous n'en aurons pas, mais vous pouvez toujours espérer qu'elles apaisent votre esprit. C'est la fin. La justice ultime. Êtes-vous pensé que cela va changer quelque chose? Atana est courageuse et fière. Les hommes ne vous laisseront pas dormir une fois qu'ils auront appris que leur roi est mort. Préparez-vous, car l'âge de la colère vous attend. Peut-être. Mais vous ne serez pas là pour le voir. Polorata a été condamné à mort pour ses actes. La base. La base. Un moment de paix, enfin. On a un espèce de temps avant que le jeune prince prenne le relais. Quel effet ça te fait? Honnêtement, un peu plus d'attendre. Tu te réveilles pour tout ça. Tu aurais pensé que rester assis pouvait être aussi stressant. Oh, pas besoin de me le dire, j'étais là. J'espère que Céline n'a pas eu de problème. Je la connais, elle s'en sortira, comme toujours. Peut-être qu'elle nous rendra visite maintenant que tout est terminé. Il y a intérêt. Oui, c'est Dani. L'héroïne. Ah, elle est là. Pensez-vous que je pourrais devenir ami avec un bison radovien? Il fera un très bon agent. Les gens nous ont déjà beaucoup aidés, c'est Dani. Faut imaginer à quel point. Crois-tu que cela va durer? Je veux dire, cet horizon sera? Seul le temps nous le dira. C'est la fin. J'ai décidé de décapiter Ivo, oui. Paloma, l'épouse de Thaïs, s'est jamais remise de sa maladie. Finalement, on peut changer son destin, peu importe les litres de sang qu'on verse au nom de Dieu. Le successeur d'Ivo à la couronne d'Atana a traité sa défaite comme une honte et un gaspillage de ressources et a juré que cela ne se reproduirait jamais. Après, Atana a commencé à rassembler de nouvelles unités sous leur bannière. Les tuant à l'aube d'une nouvelle guerre. Ah ouais? Pourquoi c'est 1 sur 2? Ah, c'est peut-être une fin sur deux, en fait. Ils expliquent les choix. Avec un héritier légitime et Eric faisant preuve d'empathie, les Radoviens sont restés en Daverne. Varane a pris la responsabilité de son peuple, et même si les différences culturelles se sont révélées être un défi, les nations cherchaient à avoir les meilleurs de l'autre.
2 sur 3. Pourquoi c'est... C'est quoi? C'est des notes? C'est... J'ai laissé Azalea s'enfuir avec Maya. Bien qu'Eric n'ait jamais revu sa fille, elle n'a jamais oublié de lui envoyer des lettres à propos de ses dernières aventures avec Maya, l'amour de sa vie. Eric dormait mieux la nuit, sachant qu'Azalea était heureuse. Bon, ça c'est plutôt cool. 2 sur 2! C'est bien ça, non? J'ai bien préparé pour la guerre avec Atana. Grâce à vos défenses, ces derniers ont survécu aux horreurs. Oh putain, il aurait pu crever! Les guerres récentes semblaient déjà être un lointain passé, grâce à ces derniers toujours joyeuses. Mademoiselle Patate, comme Eric aime l'appeler, continue à porter de la joie aux gens avec son attitude positive. Continuait d'être légèrement agaçante selon le point de vue. 1 sur 2. J'ai écouté votre fidèle conseiller lors du procès royal. Il faudrait continuer de servir d'Averne du mieux qu'il pouvait. Bah ouais, la base. Anne Aurélia a survécu. Pareil. Elle était heureuse de voir la fin de cette horrible guerre. Continue à soutenir Eric dans ses défis à venir. Ouais, je pense que... Ah. 1 sur 5. Je comprends pas ça. Difficulté, vous avez réussi à obtenir un héritier sans mettre en danger la vie de vos proches. Terminez le rituel sans vous tromper. Bataille avec Katana porter un véritable coup à la santé d'Eric. Le prince Edouard a apporté beaucoup de joie dans la vie d'Eric et d'Aurélia, bien que sa santé s'éteint avec le temps, il se sentait en paix, sachant qu'il est un héritier légitime au trône. Bon, pour l'instant, c'est plutôt que des messages positifs, quoi. Taverne continue de prospérer grâce à votre action. Juste possibilité, ouais, c'est vrai, possible. Après de nombreuses années de règne du roi Eric, il était temps pour le prince Edouard, le fils d'Eric, de recevoir le fardeau de la couronne. Jeune roi, tout comme son père, avait devant lui beaucoup de choix à faire, mais c'est une autre histoire. Et voilà tout. Jusqu'à ces derniers instants, le roi Eric ne cessa jamais de regretter certains de ses choix, souhaitant pouvoir inverser le temps pour changer au moins certaines de ses décisions. Merci d'avoir joué à votre grâce. À your grace. Eh bien... C'était fort sympathique. Quoi? Par contre, cette musique est peut-être un peu brutale pour ce genre de jeu.